Vite, Natacha, nous sommes en train de le perdre! Oh mon Dieu, c'est terrible! Un seul homme pourra nous aider et faire l'impossible. Oh, qui c'est? Le docteur Mr. Moustache. Non, mais on va y aller à l'outil de précision. Tu crois que t'es précis, putain? Tu vas l'enfoncer dans le cuisson, quoi. Ah, tais-toi! J'essaye de faire mon métier correctement, tu m'empêches, là! C'est quoi le problème? Tu passes le balai, là, ou quoi? Faut que ça soit propre. Ah, mais... Oh, ça, je floute de partout. Oh dégueulasse. Vas-y, oh, c'est bon, j'ai le bon bout, là. Oh, c'est bon. Oh, putain, il a arraché ça. Allez. On balance ça sur la table. On s'en fout, il était vérolé, celui-là. Il a fait déjà le cancer. On a... On a pas besoin de deux poumons, ça sert à quoi, ça, franchement? N'importe quoi. Un bout de viande à côté, quoi. J'ai cherché une petite biche pour les questions restes, docteur. Allez dans la manutention, allez, allez voir Rodriguez, demandez-lui le pied de biche. Hé, hey, mais Rodriguez le pied de biche. Ne vous inquiétez pas, Bob, on va s'en sortir. Je... C'était pas un objet. Arrêtez de jouer avec ça. Ah, j'en peux plus. Merde, mais j'essaye de... J'essaye de faire mon travail correctement, c'est pas facile. Oh putain. Est-ce que vous avez besoin d'un petit coup de... Un petit whisky? Tenez. Prenez un objet. Prenez un objet pour casser les côtes restantes à droite. Ouais, merci de le conseil. J'aurais pas trouvé sans vous. Et puis sans compter qu'il y a plein de petits bouts de côtes dans... Prenez le cœur et mettez-le à l'intérieur, on ferme tout puis on s'en va en courant. Va on dit que c'est pas nous, on part en Cuba. Ah c'est bon. C'est bon. On part à Cuba tous les deux, on se marie. C'est bon, c'est bon. Je dis ça marche. Et alors, j'en suis sûr qu'en Colombie... Et il est tombé par terre. Mais attends, je mets en off ça, ça sert à rien. Ça m'énerve. Appuie sur le gros bouton, ça fait quoi le gros bouton? Bam. Arrêtez. On s'en sort pas. Merde, mais ça se coupe pas ça. Bah prenez-le de pleine main et puis tirez un bon coup. Ah, peut-être. Vous avez toujours les meilleures idées. Oui, c'est les techniques américaines. Technique à la pointe de la technologie, technique belge. Allez-y. Attends, j'essaye de me faire un chemin dans... Ma femme me le dit souvent. On s'écoute. C'est bon, j'ai une prise. J'ai une prise. Faut quand même imaginer cette scène en vrai, quoi, le mec il a le... Oh non. Attention au cœur. Fermez ça. Voilà. Faut pas qu'on perde le cœur. Quel mouvement avec l'extérieur. Vous avez vu ça? Bah je suis quand même médecin de formation, hein. Oui. J'ai fait des études à la Sorbonne, hein. Ouais, mais je vais essayer de couper. Ouais, mais y a plus beaucoup de sang, hein. Fais attention. Hein. Ça, fallait peut-être l'utiliser au début pour casser les os. Ah ouais. Bon attends, je mets ça. Qu'est-ce que tu veux que je... Attention, je vous l'avais pas coupé. Allez, possédez. Allez, possédez. Coupez là. Prenez les cotons de tige, faites quelque Arrêtez, chose. Vous faites tout Sabrina. Le contrôle. Ah, ah. Là, voilà. Ok. Vas-y, je mets à côté de lui, comme ça, ça lui fait... Débranché. Ça lui fait des genres d'écouteurs. Tu trouves pas que ça ressemble à des écouteurs? Attends, je lui mets la stéréo, là. Pour l'instant, il a que le mono. C'est un petit peu... Attends. Crâle. 800 ml, dépêché. Mais c'est super dur! 400 ml. 200 ml. C'est pas le bon outil, je vais essayer de prendre la scie. On va le perdre! 100 ml! 150 ml! 100 ml! 50 ml! Il est mort. Oh non! Regarde-moi cette image de Bob! Oh la musique! Ah! Rigole pas! Il faut qu'on retraille! On va pas montrer toujours la même opération. Attends, on est là pour 3/4 d'heure encore. Bob, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'es en l'air en boîte de nuit? Pourquoi t'as... Arrêtez pris ces cachets? Concentrez-vous sur l'opération. D'accord, alors donne-moi les outils. Là, je te fais confiance. Non. C'est bon, j'ai coupé non, une artère. C'est le cœur, arrêtez d'enfoncer le truc dans le cœur. Mais oui, mais il faut que je coupe les artères, assistant. Non, mais, vous allez pas m'apprendre mon métier. Quand même. Excusez-moi. Restez à votre place, hein. D'accord, attends, je me décale. Bah décalez-vous vers la droite.
l'époque. Vous avez raison. Je vais changer d'outil, celui-là il me plaît pas. Attention. Ah attention, voilà. Voilà. Bah oui, mais il rebondit normalement aussi, on est sur Pluton ou quoi? Mais non, mais... J'essaye de prendre ce tuyau là pour extraire cette merde là. C'est quoi ce truc? Ça sert à quoi dans le corps humain? Je sais pas. Vous qui avez fait des études poussées, mon ami. J'ai séché les cours d'anatomie. Ah mince. On est tous les deux dans la merde, moi je suis arrêté au brevet blanc. Et vous êtes médecin quand même, mon idée. J'ai fraudé, c'est une autre histoire. C'est l'heure pour une autre incision. Non, regardez les tuyaux là. Pour couper l'aveugle. C'est bon, j'ai trouvé la solution. Oui. Oh bah bravo. Ouais, on a eu des par contre. Hein. Mais ouais. Félicitations. Félicitations là. Je comprends mieux pourquoi vous êtes médecin maintenant. La médecine nous remercie.